Le docteur Mukwege réclame souvent que soit mis en œuvre en RDC une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est un ensemble de mécanismes que l'on met en place dans des pays qui ont connu une dictature ou qui ont connu des conflits armés. Ce sont des poursuites pénales que l'on va entreprendre à travers un tribunal pénal international, un tribunal pénal spécial, des chambres spécialisées pour poursuivre et sanctionner les auteurs présumés des crimes commis. On va mettre en place une commission Vérité et Réconciliation qui va entendre les victimes, les témoins, parfois même les auteurs repentis des crimes commis et qui va permettre de faire l'historique de ce qui s'est passé, de faire apparaître la vérité sur tout cela. Il faut que les proches des victimes puissent obtenir des réparations, soit individuelles, soit collectives, soit aussi des réparations matérielles ou parfois des réparations plus symboliques, comme par exemple la construction de monuments ou des excuses publiques des auteurs. C'est prendre des mesures pour ce qui s'est passé. Les atrocités commises ne se reproduisent pas à l'avenir. Et pour ça, par exemple, il faut assainir l'armée, la police, parfois même la justice, faire sortir de ces institutions les auteurs des crimes qui ont été commis.